va Romain? Ça va, mais regarde-moi toutes ces affaires. Est-ce qu'on part toujours aussitôt? Non. Pour moi ça va, moi, y a pas de soucis. C'est les filles. Elles sont dans le mal. Alors là on vient de finir de manger, on va à l'entraînement à 15h30 et ensuite on a vidéo à 19h et repas à 19h30. On se retrouve à Nantes. Oh, un petit mot pour les supporters du TFOX. Eh ben, soyez gentils avec nous demain, hein. Mettez pas trop d'ambiance. Et parce disons, que... Eh, on mange bien à Nantes. Hein. Bah putain. MVP de l'entraînement est remis à Aurélien Mallet. MVP de l'entraînement. Là, on va faire un décrassage. Quelle différence entre un entraînement et un décrassage? J'en ai pas. Décrassage, c'est un passe-temps, une passion. Eva, j'ai cru comprendre que Nantes était ta ville de cœur. Pourquoi? Parce que j'ai grandi ici, on va dire à mon âge mûr. Donc j'ai plein de beaux souvenirs parce que c'est une ville qui bouge. C'est vraiment sympa à visiter, il y a plein de choses à faire. Puis j'ai quand même la famille ici. Donc c'est quand même un point important. Bien dormi? Oui, trop bien. Lys, comment se passe ton trajet avec les supporters et quel est ton pronostic pour ce soir? Le trajet se passe super bien et les pronostics 3-0. Nous sommes à 2h du match. Il y a un rituel, Romain, qu'on découvre ce soir. C'est lequel? J'aime bien couper soit un peu les cheveux, soit un peu la barbe retaillée pour être beau. Parce qu'à défaut d'être bon, il faut qu'on soit beau. Et ce soir, tu coupes quoi? Je vais faire une petite retouche sur la barbe et les cheveux un peu là. C'est un peu trop long. Thank you.
moi, j'ai réussi à dormir quelques heures. Certains n'ont pas pu dormir du tout. On a célébré la victoire. Où ça? Bonne question. Dans un bar. Quelque part. C'est très bien.